Même si vous avez fait sous Duvalier, la communauté internationale continue à foncer, tête baissée, dans supporter pouvoir en place. Sans garder ni incapacité, ni mauvaise foi, ni mauvaise gouvernance, autorité, yo, acteur qui en place. Yo. Après sommet Jamaïque, il y a un bon social clair qui arrive à jouer le gouvernement. Que paysan mi Haïti yo comprenne problème n'a traversé là. Parmi yo gen PYO ya yo organisation état américain yo qui décide porter support robuste yo ba Haïti face à insécurité n'a connait là. Dixit premier ministre Ariel Henry après te sorti dans pays la France. Question pile moun a posé dans moment là. Qui ça concrètement administration Ariel Henry pral réussi fait et c'est à question ça jodi an nous pral porter une réponse pour vous. Yon l'autre bon gagné même gouvernement Ariel qui écrit secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres yon lettre ça Ariel Henry dit dans lettre ça c'est une honte. Li déshonorer toute institution démocratique yo, li déshonorer peuple haïtien et si de sa li ta levé pour le dawe nan ki dimension que autorité za le premier ministre Ariel Henry mette pays yo, bagay sa ta kite grave derrière parce que situation a compliqué. Nan pays voisin République Dominicaine, niveau racisme exagéré. Son bagay qui allait à l'extrême. Dans chasse a fait, dans chasse à l'homme a fait contre haïtien, dépoussé haïtien, dépouillé pour noir en République Dominicaine automatiquement. Yo assimilé avec haïtien. Eh bien, m'pral gagner pour partager une vidéo avec vous. Ou pral wè nan ki niveau République Dominicaine, nan ki niveau dominicain parle wè. Non seulement moun noir, mais yo parle wè haïtien tout. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment vous êtes? C'est un plaisir. Comme d'habitude, pour m'avec nous dans l'émission, pour m'porter information qui a dominé l'actualité pour nous, des décisions que acteurs politiques, que autorité l'État yo a prend, qui a plongé Haïti dans plus instabilité, qui a simaillé plus honte, plus mépris, par bon côté divers l'autre acteur international qui ont même, yo pas comprendre ce qui a passé dans la coupe pays d'Haïti avec autorité. Jodi an c'est lundi 26 juin 2023. Si vous pouvez vous abonner à la chaîne, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification. Et comme ça, vous ne pouvez pas rater aucune vidéo, n'a pas gagné pour une poster. C'est toujours un plaisir pour moi avec vous et des micro-présentations. C'est toujours même Yannick, la même voix. En rien, pas changé. Hier, Premier ministre Ariel Henry rentré de voyage. Ariel li gagne plusieurs détours que li te fait. Ariel li te gagne pour li al participer nan sommet qui t'a fait dans pays la France sous pacte financier mondial là avec le président français Emmanuel Macron. Ariel rencontré avec divers lots et représentants le pays, représentants organisations internationales. Ariel rencontré avec divers lots représentants pays membres OEAO. Ariel pendant ces jours-là à l'étranger, il fait connaître que il fait plusieurs belles rencontres qui pral porter et des bagages positifs pour Haïti, des rencontres bilatérales qui sont extrêmement importantes pour la stabilité paysan, pour l'avancement paysan. Et Ariel lui parlait de retour ni de voyager, lui bail un point de presse et dans un petit moment nous pral gagner pour nous revivre qui Ariel dit. Mais avant que nous rentrions dans retour Ariel là, faut qu'on dit nous gagner une lettre que premier ministre de facto Ariel Henry il était écrit voyez bail secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres pour le demander yon l'autre fois encore qui ça y a fait avec PNH, qui ça y a fait avec sécurité peuple haïtien, qui ça y a fait avec la police. Let ça nous pral les partager avec ou yon extrait puisque et journal Le Nouveliste qui te recevoir en copie dans lettre là lui-même li publié des informations sous ça qui dit en dedans l'état que premier ministre Ariel Henry li te voye bay Nations Unies depuis 7 juin passé. Et faut moi dit nous dans l'état premier ministre Ariel Henry li fait
Nations Unies connaît que li pap dirige pays an pou kòl, la dirige pays an de concert avec ACT au conseil de transition. Et question an pile moun a posé dans moment là, est-ce que et pasteur Calix Floridor, est-ce que madame Aniga, est-ce que Laurent Cécile, yo gen mot pa yo pou yo di nan décision k'a prendre nan choix que et gouvernement Ariel Henry a fait nan choix que premier ministre Ariel Henry a fait. Donc lettre ça, c'est une lettre qui était de 2 pages. Nous pral permet tout qu'on est exactement qui ça qui était dit dans lettre ça que Ariel te voye bay Antonio Guterres. En allez. Suite au forum politique des 23 et 24 mai 2023 organisé par le Haut Conseil de Transition ACT réunissant des représentants des partis politiques, des représentants de la société civile et du secteur privé, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger de concert avec cette entité réitère sa demande d'un appui robuste pour les forces haïtiennes de sécurité en vue de rétablir la paix et la sécurité dans le pays, peut-on lire dans cette lettre datée du 7 juin 2023 dont le Nouvelis a obtenu copie. Eh bien, en commencement, lettre ça. Ariel lui fait mention, gouvernement Ariel Henry fait mention que suite avec forum politique qui était organisé par ACT 23 24 mai passé, eh bien, au conseil de transition qui a aidé, qui a supporté Ariel Henry, qui a agencé, coordonné gouvernement pays, qui a agencé ensemble de décisions qu'a prendre dans pays, c'est ça Ariel fait qu'on est, eh bien, yo l'autre fois encore, yo réitéré, yo remandé, yo appui robuste pour force haïtienne de sécurité. En parlant de force haïtienne de sécurité, faut que moi dis nous et nous clair sur ça. Communauté internationale là, bah connaît nous gè la meilleure de deux pays. Yo connaît nous gon seule force, li rele la police nationale d'Haïti. Et bien là, Ariel Henry, bah connaît si c'est parce que le sorti li confortable, Ariel li senti li à l'aise dans position dans fonction là. Li senti chaque matin, li son premier ministre qui font travail positif puisque chaque journée ça yo dormi, yo levé, yo habillé, yo di yo pral travail, nous pas qui travail a fait dedans pays, nous pas qui résultat travail yo emporté dans changement vie population. Et bien Ariel avec m'ambassade yo, yon le font encore, yo réitéré, yo remandé avec Nations Unies, avec secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres pour yo voye yon support by PNH. N'ap continue. Ariel continue pour le dire, il nous faut restaurer l'autorité de l'État et garantir l'État de droit pour éviter que la population ne soit tentée de se faire justice. Faut qu'yo restaurer autorité de l'État, faut qu'yo rive garantir état de droit dans pays pour éviter que population a essayer fait être justice. Bon, sûrement Ariel t'a fait référence avec mouvement Boakale. Là, nous pral ba ou quelques explications beaucoup plus approfondies pour comprendre ça qu'a fait là. Imaginons ou un premier ministre dans pays qui gagne cabinet ministériel li, qui gagne près de 18 ministres, qui gagne secrétaire d'État, qui gagne moun nan direction générale yo, chaque matin moun sa yo al travail, chaque matin moun sa yo di yap travail, l'agent taxe nous, l'agent impôt nous, c'est yo kap paye nèg sa yo, kap permet monsieur dam yo vive, kap brase nèg yo, brase l'agent chaque jour, yap fè corruption, yap vole nan caisse l'état, ça pas suffit pour yo. Koun ya pou wè nan lèt ke premier ministre peyi an li voye bay Nations Unies pour Ariel a dit international, il nous faut restaurer l'autorité de l'État et garantir l'État de droit en Haïti. Est-ce que c'est le force militaire étrangère à rentrer dans le pays? Nous prenons la capacité? Ou bien Ariel Henry prenons la capacité à gouvernement là pour restaurer l'État en Haïti, pour garantir l'état de droit en Haïti. Ça veut dire, non, bon, on a parlé à la, pendant que la police, on boit, bandit, on boit, là, nous, qu'a dit, c'est non, je n'en vive. Et Ariel, il vient confirmer, dans l'être ça, que l'y voyait, bah, secrétaire général Nations Unies. Ça, nous, clair, souli. Là, c'est non, je n'en vive. Ariel réaffirme, nous, peut-être que nous, pas de l'édili, parce que nous, bah, là, on tient sadique. Eh bien, autorité l'état, yo, premier ministre Ariel Henry, lui réaffirme nous que c'est non jeune na vive puisque c'est force militaire étrangère qui pour venir, qui pour permettre que restaurer l'état de droit en Haïti, garantir l'état de droit, etc. En nous avancer.
Les effectifs de la police nationale d'Haïti sont nettement insuffisants pour rassurer la population ainsi que les candidats aux prochaines élections. Tendez bien, oui? Li dit que effectif PNH gen la, yon nettement insuffisant. Et comme si c'était bon barème, capacité PNH, capacité policier yo, alors bah net PNH a te plate. Et situation qui gen dedans PNH la, non seulement li pa arrive rassurer population, mais li pa arrive rassurer candidat kap gen pour participer dans prochaine élection. Tout ça c'est des argumentaires, comprendre, c'est dialogue Ariel Aba Antonio Gutierrez pour montrer que Haïti a été plate, pour montrer que PNH pa ka fon merde, faut gen force militaire, faut gen appui robuste qui fait, faut yo supporte PNH non seulement pour arriver rassurer population, mais pour rassurer candidat kap gen pour aller dans élection et Ariel Henry a bien pour organiser. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire dans moment là, nous même qui vivons en Haïti, malgré tout de chaque jour, premier ministre Ariel Henry ou bien autorité qui dans l'état yo, yo dou que y a fait tout moyen possible pour yo garantir sécurité yo, pour yo kwape bandi, pour yo kwape gang, pour yo rive rétablir la paix avec sécurité en dedans pays, c'est bluff, c'est manigette. Tout ça y a dou yo, c'est parole pour yo faire dormir, c'est parole pour yo calmer fureur. Mais dans l'être ça, dans petit parti ça, côté Ariel Henry, côté premier ministre pays, côté nèg kap dirige lan sans que le pa gen aucune opposition en face, qui a dirigé non contexte particulier, côté que Ariel ka prenne pas de décision, côté que Ariel pa gen aucun parlement qui pral di pas fait ça, li pa gen aucune opposition politique qui pral faire manifestation met moun nan la rue pour di pas fait ça, et puis pour ouais c'est ça l'écrit voyé bay des étrangers pour le dou que effectif PNH li insuffisant. Yo pa ka rassurer population et yo pa gen aucune garantie yo ka bay candidat ka gagner pour participer dans l'élection. Nèg sa yo pa vini faire effort vrai pour. Yo pa vini pour yo faire effort parce que si yo te vle faire effort, chaque coup y a mandé international en support, chaque coup y a mandé et possibilité pour acheter équipement matériel etc. avec 100 millions de dollars américains qui nan fond basket que nude a géré là, au moins faut nous ta gagner des séries de dirigeants colonne vertébrale sin de gagner vrai qui te ka camper qui te ka dit nude, mais qui ça nous vle pour PNH, mais qui ça nous vle pour policier yo, mais qui ça nous envisager, mais qui moyen stratégique, mais qui moyen technique. Nèg yo pa gen rien à régler, que ce soit au niveau du haut état-major de la police, que ce soit au niveau du CSPN, yo pa gen merde à régler. Et non ça qui gen pour avec CSPN non? N'en parle pas parce que Ariel pour qu'on parle li gen de fonction que li rempli, que li joue dans CSPN non? Donc sou wè c'est ça li ka écrit voye bay blanc, li ka voye bay international. Non ça veut dire que l'Ariel al dans CSPN non, c'est fumé là le fumé, c'est boue là le boue, bay parole tafia que nèg yo a parlé, yo pa wè sécurité pour peuple haïtien. N'ap continue. L'appui aux forces nationales de sécurité donnera aux partis politiques, à leurs mandataires et sympathisants l'assurance qu'ils peuvent mener campagne sans avoir à craindre pour leur vie. C'est pourquoi et là oui bagaille la belle là. C'est pourquoi une présence sur le terrain d'une force internationale spécialisée aux côtés des forces haïtiennes de sécurité s'avère indispensable. Il ne s'agit pas de venir faire le travail à la place des Haïtiens. Une telle force servirait efficacement de dissuasion dans certains espaces stratégiques comme les ports et les aéroports, a indiqué cette correspondance du premier ministre Ariel Henry. Bon, bon ba ou ti explication en France et en bon jean créole parce que là PM nan t'a parlé français, reprendre, n'a bon bagay là en bon jean créole pour tout monde comprendre. Premier ministre Ariel Henry, Ariel Henry gon jean la voye fleur pour communauté internationale là, la voye fleur et pour Nations Unies. Et bon ba vle dire Ariel Henry a fait les chou ou bien la fait sous-sous. On pa comprendre, gen des idées ba, on pa comprendre, tendez oui. Ariel fait connait que appui que leur force étrangère a venu, a pu que le bras le bail PNH, l'indispensable pour qui ça? Non seulement pour le river rassurer population, pour le rassurer partisans, sympathisants et candidats, pour le rassurer partis politiques, que tout bagaille pral bien passé. Parce que il y a des séries de zones stratégiques,
leur force étrangère a venu tant qu'ou yo pral nan port yo yo pral nan aéroport yo et yo a au côté des forces de police haïtienne pour yo montrer population que tout bagay a bien passé. Oui, c'est vrai, Ariel Henry fait connait que c'est pas que leur force étrangère a venu li pral substituer la police pral faire tout travail la police etc. mais force étrangère li indispensable. Vous comprenez, tout jonvire, toute équation, tout genre, Ariel tire X dans l'équation, force étrangère est indispensable, Ariel doublé par vle, force étrangère vini, faut appui robuste, faut li vini, pour permettre à ce que li ka continue à avancer dans l'agenda li, etc. N'ap continue par où, détail que le premier ministre Ariel Henry écrit dans l'aide que li voye bay, Antonio Guterres, qui est secrétaire général Nations Unies. Li continue pour le dire, cette force internationale, poursuit la lettre, apporterait également son expertise et son expérience dans ce genre de situation avec le soutien logistique qui fait cruellement défaut à nos forces de sécurité. Voilà, posez une réelle question. Pas peur, non? Parce que c'est nous choisi faire silence. On nous peur, on va parler politique et puis pays en vie nous pense à oui. Nous, notre diaspora, nous ka poser question, c'est pour ça gagne ambassadio, c'est pour ça gagne consulat. Poser question parce que nous besoin rentrer dans pays nous. Nous besoin venir passer vacances dans pays nous. C'est dans été nous yé. C'est dans été nous yé. Vous comprenez? Nous besoin venir dans fête champêtre, nous besoin venir et dans fête patronale etc. Nous pas capable pour qui ça parce que pays a pas gagne sécurité, nous gros paquet dirigeant mal pour honte qui occupe tête l'état. Il a bien passé, il a dormi dans hôtel, yo à l'aise, il a bien habillé avec l'argent taxe l'argent pour nous. Il a pour les machines, il a parlé dans téléphone, quatre téléphones pas sous compte yo. Machine y a sorti, même caoutchouc machine n'a pas sous compte yo. Donc qui sort les nèg ça yo fait pour vous? Ou pas se nèg sa yo ta jamre men wè pou peyi an gen stabilité. Si peyi an gen stabilité, donc tout bagay pral mache bien, constitution tout bagay pral aplike, procédure pral aplike, donc élection a fait à temps, pap gen transition, yo pap jam ka vin fè bè, vin fè la jan yo. Donc si bagay yo pap mache bien, c'est tout normal pour parler. C'est tout normal pour nous poser nèg yo question. Imaginons Ariel Dou que force internationale ça, l'alvinian, la bon parce que la pote expertise, la pote expérience avec soutien logistique qui fait cruellement défaut à nos forces de sécurité. Ça veut dire PNH tellement manqué matériel, PNH tellement pas bon, pas rien pour yo. Donc l'étranger a venu avec matériel, gros armes, tank etc. qui a pédé yo. Oui, c'est vrai. Si m'ta dit nous PNH gen matériel et m'ta malhonnête. Oui, c'est vrai, PNH manque équipement, PNH manque et moyen, etc. Mais moyen ça yon manque ya. Moyen ça yon manque ya, c'est qui disposition, c'est qui décision qui j'en prend pas bon côté autorité yo, pas bon côté état-major, pas bon côté CSPN, pas bon côté primature, pas bon côté la présidence à un certain moment, pour aider PNH tout bon, pour aider policiers tout bon. C'est pas chita écrit dans lettre que gè des moyens qui manquent cruellement avec PNH, mais c'est qui ça nous fait nous-mêmes comme autorité? C'est qui ça nous jamb fait pour nous aider PNH tout bon? Parce que leur équipement revini, c'est pas nous qui voyons les policiers ou vaille qui vaille, ou comprenez, pour bandit pour chablène de boule. Non chablène qui sont entre là, yon, nèg canarin ou boule deux là-dedans yo. Nèg canarin ou reta boule deux chan dans sa Canada, sot voye tout récemment yo. Ou comprenez, pendant nap mande, nap di, oh, nous pas gen équipement, pas gen moyen pour payer un achat, pas gen ceci, pas gen cela, mais le matériel revini. Le matériel yo vini, c'est rassurer nous, c'est assurer nous que nous prenons toute disposition possible si nous pral mener une opération, si nous pral fond au travail pour nous faire bien avec tout support que policiers yo mérité besoin pour nous accompagner yo. Comme on pral dit que dernière fois bandi canarin yo nèg sous mat la yo boule de blindé, c'est l'heure yel t'a rentré pour te vini dans fête drapeau 18 mai oui. Laisse ça on autant de qui ça convoi yo te al fait convoi yo te al sécuriser divers ministres secrétaires d'état moun qui t'a passé dans cortège Ariel Henry qui t'a fait route là reprendre qui t'a fait route canarin pour yo venir pour yo faire route au caplan pour yo rentrer venir fêter drapeau koun ya le policier yo a tourner leur convoi a tourner au contraire avec nèg canarin mette en embuscade policier prendre en embuscade yo boule blindé donc faut nèg dans l'état yo faut autorité dans l'état yo commencer lever ce figure.
Faut que c'est pas eux même qui la cause que policier ou la victime, matériel yo bandi al boule, yo bandi al krasi, yo mette du feu là dedans n'importe qui genre. Et puis après ça, pour y a dit international là, pour y a dit Nations Unies, OEA, etc., que la police pas de matériel. Vous comprenez? Donc ça, li extrêmement important. Ariel Henry li continue pour le dire que cette force pourrait aussi aider à renforcer les capacités de la police nationale d'Haïti en matière de collecte et de traitement de renseignements, de reconnaissance et de surveillance pour mieux répondre aux activités des gangs, a détaillé Ariel Henry. Bon, là, il faut nous poser PM la question. En tant que ministre de l'Intérieur également et des collectivités territoriales, nous connaissons en dedans ministère de l'Intérieur et un service de renseignement. Gè l'ajan nan budget a ki la pou monsieur yo, pou ajan de renseignement yo. Ki sa kap pase kon sa? Ki sa yo fè? Ki sa yo regle avec kòb sa yo? Si nou estime que et travail de renseignement ki a fait a te a la, li ka toujou pa suffisant. Sa c'est vrai. Mais l'on parle comme si Haïti, PNH, ministère intérieur, DCPJ, parent un sérieux de concret qu'a régler là-dedans, ou même en tant que premier ministre, ou même administration, là, qui ça va régler de concret, qui soit qu'a réussi le concret. On nous continue, on nous avance parce que, et l'être la langue, faut nous lire pour qu'on exactement qui ça dit là-dedans, et pour nous expliquer exactement, et qui ça qui a fait, qui ça qui a dit avec le premier ministre Ariel Henry. Certains pays ont exprimé leur volonté de se montrer solidaires avec Haïti dans cette conjoncture. Ils souhaitent que le secrétariat général des Nations Unies fasse des propositions concrètes sur les paramètres logistiques et opérationnels d'une force de ce type et apporte des précisions sur sa composition, les contours de sa mission, sa durée et son financement, selon cette lettre du Premier ministre Ariel Henry. Là, on a tout fait une petite parenthèse. Parce que pendant le premier ministre Ariel Henry, il s'est rencontré avec divers représentants, divers présidents, premiers ministres et pays membres. Eh bien, Ariel sorti, la France, la Livini, hier soir, Libay et point de presse. Il faut que je dise, nous, je vais garder Ariel Henry qui est beaucoup plus confiant. Et confiance à Ariel Henry, très certainement, c'est suite avec dialogue avec tête à tête litérien avec et président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Le pourquoi? Parce que Ariel vraiment mettait focus sur rencontre litérien avec président brésilien et pas oublier MINUSTAH majorité contingent majorité moun militaire té nan mission MINUSTAH majorité c'était des brésiliens yoteye. Donc par rapport avec situation ça et gagné président brésilien gagné ministre affaires étrangères brésilien qui ont même yo montré yo très favorable avec ça qui a passé en Haïti yo ont montré yo favorable pour aider non et si toutefois gagné une force militaire qui a gagné pour déployer en Haïti et non parti ça dans l'être là. Le Ariel Henry dou, certains pays ont exprimé leur volonté de se montrer solidaires avec Haïti. Yo seulement attend par bon côté secrétariat général Nations Unies pour secrétaire général là Antonio Guterres pour lui mettre des paramètres des caractéristiques bien spécifiques. Un, dans ça qui gagne pour avec logistique. Dans ça qui gagne pour avec composition force d'intervention. Dans ça qui gagne pour avec et contour mission différents points cap gagne pour faire dans mission dans ça qui gagne pour avec durée mission et dans ça qui gagne pour avec financement mission. Donc c'est seulement ça tellement Ariel senti confiant confortable divers représentants pays yo gen préparé pour aider Haïti. Ariel seulement besoin ça par bon côté Antonio Guterres par bon côté Nations Unies et parole yo pile c'est la même. Ça moi qu'a passé avec dirigeant mal pour nous yo ça coûte cher nous de pays ya. Honnêtement haïtien ta doué un bon matin au lever campé yo aller ba konnen en primature devant chaque grand ministère mandé mal pour on ça yo fait paquet yo aller parce que nèg za yo yo montré yo pa cœur vraiment de ça qu'a passé en dedans pays ya. Pour depuis il y a 2 ans dans ton pays mes amis 2 ans Ariel va gagner en juillet qu'a gagner pour venir là dans ton pays. Comme si 2 ans passés, ou mettez tout espoir.
poids pour sécurité rétablir dans le pays, sous dos international, sous dos étranger. Entre temps, n'a fait haïtien promesse, n'a fait diaspora promesse, que tout bagaille pral aller bien, que tout bagaille pral bien passer, etc. Nous pas route. Nous pas route, mais journée aujourd'hui, là, Ariel a vu li tête, li non l'aide que le voye by Nations Unies, que le voye by Antonio Guterres, et puis nous même, et pour pral dans des nègres par en mer de l'an, ou pral wè allié politique Ariel Henry, André Michel yo, et Majorie Michel yo, Edmond yo, ou pral wè que moun sa yo Abdou tout va bien, tout se passe à merveille, et au pays, etc. Et seulement qui sa yo besoin de sécurité pour élection, mais sécurité yo, youn pa vle assume responsabilité yo ki yo contribuye, et Ariel pa vle fè anyen la, yo pa vle bay PNH moyen, yo pa vle bay la médaille ti moyen, pour rive rétablir sécurité, tout bagay se blanc. D'autant blanc pas vini, y a kidnappé moun, y a touye moun, y a violé femme actifi, vous comprenez? Bandi kanan y a fait créer, y a exposé yo, et puis tout va bien, tout va bien. En tout cas, on nous continue. Alors, let's sa papa. Oh, ça mieux. Bon, le déploiement immédiat d'une telle mission est susceptible de changer la donne sur le terrain. Cela aura la vertu de ramener la confiance des citoyens et des citoyennes. Il pourrait faciliter l'obtention de consensus national plus élargi de toutes les forces vives de la nation en vue d'engager Haïti sur la voie du changement et du développement durable. Bon, bah, on écoute Ariel Jeune Bagaïsa, mais l'hiver qu'on est que déploiement immédiat, yon telle mission, la parler de force et militaires étrangères, les susceptibles pour changer toute bagaille net souterrain, les susceptibles pour chavirer bagaille en termes de sécurité, et non seulement en termes de sécurité, les possibles tout pour ramener confiance chaque grand citoyen, chaque grande citoyenne, chaque grande femme, chaque grand garçon dans le pays, parce que les cas faciliter l'obtention consensus national beaucoup plus élargi des forces vives de la nation, et par rapport avec intention et engagement, ils prennent le prend sous voie changement avec développement durable, puisque Ariel mettait dans tête depuis blanc, depuis force militaire unie, pour la stabilité en lieu d'un pays, pour la sécurité, pour la stabilité, tout bagaille pour le marché bien, la vie pour le rose en Haïti. Faut que moi dis nous ça, pas de justice, pas de paix, et ceci de manière quotidienne. Chaque jour, supposé lever pour dire tout, si pas de justice dans le pays, pas de la paix dans le pays. Si pas gen justice non pays, pas gen sécurité dans pays. Si pas gen justice non pays, pas gen stabilité en dedans pays. Comment faire gros palto yo, yo pas jamais ka condamné yo? Comment faire nèg la non la cité dans assassinat président, li continue à diriger te pays? Alors que gen l'autre moun non yo tap cité dans assassinat président, puisque c'est subalterne yo, yo nan pénitencier national, y a réfléchi en côté, qui ça qui différent entre moun za yon, Dimitri Era avec Ariel Henry jounen jodi a? Faut qu'ou pose tête question ça yo. Pas de justice, pas de paix. Donc, d'autant que la justice pas rétablir de pays, écrit le matin, midi, soir. Mande force militaire étranger. Mande consensus national, une pape jom ka abouti parce que nous pas travail pour équité, nous pas travail pour justice sociale, nous pas travail pour justice à proprement parler, et rive rétablir de pays. On a continué. Non, même là, ça, premier ministre Ariel Henry, il continue. Et pour lui exposer ensemble de problèmes que le pays a gagné. Et est-ce que je vais continuer à lire là pour nous? Parce que, de manière concrète, moi-même, je regarde ça, premier ministre, évoqué dans l'être là. C'est plein la plein, c'est pitié, reprendre, c'est pitié la demande internationale là. C'est pitié la demande blanc. Son honte, son véritable honte lié. Et, bamba aux conclusions, Ariel Henry. Et nous sommes au tout début de la saison cyclonique, cyclone arrivé. Le pays est déjà gravement frappé par des crues importantes et des inondations qui ont fait de nombreuses victimes et entraîné des pertes de récoltes et des têtes de bétail. Ça veut dire, et gen en pile inondation qui fait, pays est déjà dans une situation qui grave, et moun perdu bête, paysan perdu récolte, etc. Et le pays connaît actuellement une résurgence des cas de choléra que l'on croyait totalement éradiqué, qui bon. En outre, un autre tremblement de terre de magnitude 5.5 a fait des victimes et a causé des dégâts dans le département de la Grand'Anse. La situation sécuritaire paralyse l'organisation des secours et l'acheminement de l'aide humanitaire aux sinistrés en divers points du pays, a écrit le premier ministre Ariel Henry
dans sa lettre. Donc, nous faisons baba nous ensemble de détails que le Premier ministre Ariel Henry continue de déblatérer sous PNH, que force de sécurité yo vraiment à tes plates. Je trouve que c'est humiliant, c'est dégradant et c'est hallucinant également pour et des autorités, des séries de monde qui sont censés nos postes pour prendre des responsabilités, pour engager le pays, pour permettre à ce que l'institution marche bien. C'est eux-mêmes qui ont craché sur l'institution. C'est eux-mêmes qui ont craché sous les policiers. C'est eux-mêmes qui ont craché sous le ministère de la Justice. Parce que, bon, nous, pas qu'à gagner la police sans la justice, pas qu'à gagner la justice sans la police, ou gagner le prophète ministre qui seulement chute en dedans ministère de la Justice à vous et fleur, reprendre. À montrer son ministre très élégant, le rété, etc. Mais ça s'arrête là. Maintenant, ça qui vient pour avec gérer pays, monsieur, dame, ça yo, c'est venture à vous, yo, pas rien, yé sérieux que yo a fait. Et premier ministre Ariel Henry, il rentre de voyage, il vini, il baye yon point de presse, il raconte bilan voyage, rencontre que il fait, n'a pas gagné pour nous permettre que ou garder point de presse. Après, mais nous pral traverser dans l'autre dossier qui est extrêmement important. Hier moi tombé sous vidéo ça mes amis. Monsieur gen bagay qui vraiment hallucinant, gen bagay qui vraiment nous on regarde là là pas quoi. Vidéo am tombé sous lui sur Twitter. Côté que machin vient yo, moun ka vann vient cabrit. Moun ka vann vyann cochon, moun ka vann vyann bœuf, etc. Yo gon kote pou yo koche bèt yo, yo gon kote pou yo lave et an dan bèt yo lè yo vide, etc. Ou pral gade avèm nan video sa, et pou pral dite tout, eske Ayisyen viv? Eske nou gen otorite an dedan peyi? Eske nou gen l'Etat an dedan peyi? Eske Ayisyen pare nou yo machin za yo? Eske tèt moun za yo dwat? Eske peyi sa lap chanje d'otan ke Ayisyen compatriote frenzy nou yo pa pran konsyans? Paske mba kwe bagay wap manje? Mba kwe bagay ki pral lanvan tout se kon sa? Kote kochon ap beye, ap pase, kote tout matye fekal ap pase nan dlo an, se nan menm dlo sa ankon, pou yap lave vyen, pou yap propte vyen, etc. An nou gade video ansan. Yon ap gade la, problem nan, se ke vyen nan moun yo, se ga yo, jan wè a, tout vyen yo, se nan mache a, se nan la bou a, se dlo sal sa. Son dlo sal, kote ke li gen toalet ka pase la dan, li gen ve, nan tout kanal la, et puis condition c'est qu'on s'allie toutes déchets nets il y a de l'eau à la passer et puis j'en ouais viennent mon air consommer dans ma chair mais qui j'en traite cochon marine de l'eau à la brabou et la donne les caca dans de l'eau et c'est la donne mais ça sont cabrites. Mais ça, c'est vieux cochon. C'est comme ça, condition. Mais qui j'en bagala et dans ma chère, mes amis? Hein? Faut que nous joignons aux gens pour résoudre le problème. Faut que nous joignons aux gens pour nous retirer nous dans le genre de problème. Ça, parce que qualité, condition, pas bon. Mais comment moun yo gana manje? Sa chef a tra sa kap desan nan, y kage kaka la dan, y kage tout problème la dan, mais même vyen sa, se li même, y nan même dlo sa la netwaye. M'pense, sa, son appel à la solidarité, kote ke tout moun ki nan diaspora, tout le monde qui est conscient de problème ça, pour nous joindre aux gens vite, pour nous résoudre. Je pense que nous avons une solution déjà. Toutes conditions réunies pour nous joindre une solution avec ça. Et ça n'a pas bon. Le plus vite que possible pour nous. Mes amis, mon yo, réalisateur a dit que. Et pour éviter restriction, pour éviter sanction YouTube, li pa ka mette vidéo parce que vidéo a gen des séries de images sensibles là-dedans, il y a passé là-dedans.
nous wè la mette yon photo. Mais sous besoin wè vidéo, sous besoin wè de qui ça m'a parlé en tout bon ka toujours écrit m'a partagé vidéo avec vous. Ou sont attendé monsieur a k'ap parler. Eh bien nan dlo so wè a, on dlo qui sale exagéré, on dlo côté que cochon a ben la dedans. On de l'autre côté que cochon a poulé là dans le cochon a marché là dedans. On de l'autre côté que matière fécale ça nous fait les nous fin manger avant nous plein avant nous red la passer là dedans. Eh bien c'est la machine vient nous a plavé vient a plavé dedans vient a plavé tête cabrit a plavé vient cochon pour y aller vendre. Imaginez-vous. Bon là m'a même ka di c'est salope, m'a même ka di c'est cochon parce que cochon depuis les nous grandi nous redou cochon remet bien dans la boue. Cochon remet bien dans de l'eau sale, cochon dans toute boîte fadra, etc. Même pas même qu'à 10 moun yo, c'est bagay cochon a fait là. Vous comprenez, si vous cochon, des fois, nous mangez le bon en bouche. Mais là, véritablement, bagay ça qui te salope de, bagay ça qui te grave de, imaginez, ou même quand mange dans un restaurant, quand mange ti frita et bon là, ou pas comme ça, mange non? Ou pas comme qui matière ou mange dans le ventre ou non? Parce que quand niveau malpropre dans nos pays, quand niveau saleté dans nos pays, comme si là, machin vient non, li attend son autorité, li attend son chef, son ministre agriculture, son ministre, et pas connaît qui pour venir dire halte là, son ministre santé qui pour venir dire Jean comporte là pas bon. Nous obligé tant toute bagaille son ministre, son autorité pour venir dire nous, mais nous pas ouais. Nous pas ouais, je n'a traité vient nan, je n'a traité ça nous pral vendre moun nan, nous pas ouais pas bon. Nous pas ouais sale, nous pas ouais critique. En tout cas moi-même, depuis l'aime tomber sous vidéo ça, d'ailleurs déjà me prendre prendre précaution. Me dit non, faut prendre plus précaution qu'on y a parce que non, même dans restaurant, même là où aller et non côté qui plus ou moins, pas qu'on soit, moi je pas qu'on comment moun qui te vinn vendre yo vient nan, te traité vient nan. Donc ba yo. Haïti est fragile tout le jour. En tout cas, et m'te jugé bon pour m'te partager là avec nous. Précaution, pas qu'à penser mettre corps qui pouvait. Rapide vite, n'a fait un coup de pied dans pays voisin République Dominicaine. Songez dans commencement émission, moi t'ai annoncé et gon situation catastrophique tragique même qu'a passé en République Dominicaine et gen moun qui ka dit que gen surtout dominicain yo toujours considéré dans façon y a traiter moun noir, dans façon y a traiter haïtien et c'est loin de là le racisme, c'est pas une question de racisme lié, mais plutôt c'est question immigration la caillou y a géré. Mais gros vidéo on va regarder et on va regarder là avec moi la situation a déroulé qui soit ouais dans vidéo ou ouais yo moun noir yo monsieur noir qui a marché et puis il y a une dame qui derrière lui et puis par la suite il rive non point gagner des séries de soldats dominicains qui portaient bourré sous lui. Pote bourré soldat dominicain yo pote bourré sou li a automatiquement yo rive sou li yo commencé frapper yo commencé agresser li etc. Et moi même premier bagay qui rive le moi vidéo automatiquement son moun noir c'est domaine pour noir yo geta apparent 3000 avec haïtien ou te mettre son dominicain qui noir yo douze haïtien parce que yo gon la chasse aux haïtiens a fait des poussi haïtiens automatiquement yo geta maintenant tête tout ou sans papier faut que yo batou faut que yo maltraite faut que yo agresse pour yo mettre dans camion pour yo déporte. Eh bien monsieur ça son dominicain lié non seulement son dominicain lié son avocat réputé en République Dominicaine son grand avocat lié en République Dominicaine il était seulement trouvé le non mauvais endroit non mauvais moment soldat dominicain yo assimilé la haïtien et automatiquement bois pour lui agression sous lui etc. Ça vous le comprenez? Moi même pas venir là comme si pour m'a fait tac au tac avec les dominicains malgré que tout petit bagage qui a passé en Haïti dominicain ont toujours assuré les médias dominicains ont toujours assuré yo pas raté rien non yo pas raté aucune occasion mais mon petit virgule dans ça qui a passé pour yo gete et la gueule dans information la gueule dans actualité que Haïti pas bon. Moi même dans dernier jour ça on suit actualité en République Dominicaine en pile. Niveau criminalité a augmenté en République Dominicaine. Département d'État américain, yo augmenté, yo monté niveau et alerte qui te gagne sur République Dominicaine. Côté yo dit, citoyens américains, ressortissants américains, pas voyager là parce que étaient bandits, yo activité criminelle, yo reprennent en République Dominicaine. C'est pas menti. C'est pas menti. Ça qui passe Saint-Domingue dans ce moment-là, c'est tête chargée.
tellement niveau criminalité en li augmenté. On regarde vidéo et bandi sou moto vin voler chaîne moun, vin voler valise moun, vin voler téléphone moun. Moi même pas partager vidéo à nan sens pour me dire haïtien ka vive en République Dominicaine et tourner la caille etc. Vous comprenez? Ou ka toujours dit ça ka passer la caille li pi mal, ou ka toujours dit ou à l'abri en République Dominicaine, ou ka toujours dit ou sent ou pi à l'aise en République Dominicaine etc. Mais ça me le faut comprendre c'est que Jean République Dominicaine là, Jean niveau racisme nan yé en République Dominicaine, préfère me dire si gen 100 000 haïtiens, si te gen 200 000 haïtiens qui vivent en République Dominicaine, tout le monde trouve ses points yo, yo di a vin goumé en Haïti pour changer ça. Au lieu al prend humiliation, ou al prend déception, ou al vive en bas racisme dominicain, ou al vive pour Dominique a traité comme ça. Oh non, pas gen bagay comme ça. En tout cas ou même qui haïtien qui vivent en République Dominicaine, pas penser parce qu'on soit guerre ou pour les machines ou frais ou bien habillé, etc. C'est ça qu'il faut épargner. Non, parce que dernier scandale qui t'est impliqué diplomatie haïtienne, non, c'est le agent immigration débarqué dans un restaurant en République Dominicaine. Yo maré moun, yo maré haïtien, yo maré dominicain, moun qui t'est venu manger dans un restaurant, etc. Pas de moun qui t'est épargné. Donc depuis pas la caille une vol bagarre arrive et la caille qui la caille. Donc ça est extrêmement important. Maintenant, n'a retourner la caille nous en Haïti. Côté que vous pral regarder ensemble avec moi et point de presse ça que Premier ministre Ariel Henry li te baille de retour li dans pays la France. On nous regarder ensemble. Comme vous le savez, je me suis rendu à Paris avec une délégation en compagnie du ministre de l'Économie et des Finances pour participer au sommet organisé par le président Emmanuel Macron. Cet événement a rassemblé plus d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants principaux d'organisations internationales, de nombreux ministres des Affaires étrangères, sans oublier les organisations non gouvernementales du secteur privé et de la société civile. Gen moun ki mande sa nou tal chèche nan soumè sa, ou bien ki sa nou pote. Gen pil rezon ki fè yon peyi tankou Haïti dwe patisipe nan kade de gwo ranpont sa yo. Gen pil suje kap fèt e sou yo nou dwe genyen on dizon. E sa kap diskute yo gen impak e konsekans pour tout pays et pour compatriotes nous. Faut que sujet ça yo discuté dans pays nous en tout malgré difficultés que nous gagnons. Parce que gagne trois problèmes spécifiques qui ka gagne impact sur devenir nous toutes dans réunion ça yo. Kalte sommet ça yo, c'est une occasion pour dirigeants haïtiens profiter dans un même voyage yon seul côté rencontrer ak en pile l'autre pays que nous pas d'ab joine ni temps ni l'argent pour nous visiter yo pour nous parler ak président yo ak premier ministre yo. C'est occasion tout pour nous faire connaissance ak dirigeants des pays nous pas parler de yo boy site. Par contre nous constater que yo kont très bien ça k'ap passé en Haïti et montrer que yo très intéressé à ça qui a passé ici même et yo souhaité que nous sortions dans mal cité ça mais quand nous voir ça c'est important en pile parce qu'il permet nous gagner une série de rencontres bilatérales extrêmement intéressant même pas capable trop de détails jodi a surtout conversation mwen te gagné parce que gen sujet pour nous travail plus sou yo pour nous ka joindre pi bon résultat gen plusieurs signal qui montre nous que toutes amis pays d'Haïti comprennent problème depuis nous sorti Jamaïque nous remarqué bon signal qui sorti dans EA. Mais moi ka di nou tout nou gen l'autre en pile
signe qui montrait soutien robuste n'attendant pour force de sécurité noire pas trop loin. J'ai eu un long entretien avec le président Lula du Brésil. Il avait avec lui son ministre des Affaires étrangères et ses conseillers qui connaissent bien le dossier haïtien. Le Brésil veut aider notre pays à sortir de ce mauvais pas. Il a une bonne compréhension de la situation. Il est en parfait accord avec nous sur l'urgence de rétablir la sécurité et sur le fait que toute action dans ce domaine devrait s'accompagner de programmes d'investissement importants pour éradiquer la misère et la pauvreté qui touchent des millions de nos compatriotes. Le président Lula a promis de se faire l'avocat d'Haïti auprès de tous les pays qu'il aura à visiter et de toutes les instances internationales où la voix du Brésil compte. Ce sommet a été aussi l'occasion de resserrer les liens avec nos frères d'Afrique et de constater leur connaissance de la situation qui prévaut chez nous et leur volonté de nous accompagner dans la mesure de leurs moyens. Nous avons eu des discussions intéressantes avec le président en exercice de l'Union africaine, le président des Comores, Azali Assoumani, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine. Ils ont tous les deux manifesté leur solidarité avec le peuple haïtien et exprimé leur souhait d'un rapprochement avec notre pays. La rencontre avec le président du Sénégal, Macky Sall, a été l'occasion de nous voir en personne et de renouveler les engagements déjà pris dans nos conversations téléphoniques de ces dernières semaines. Au cours de la bilatérale avec le président du Kenya, William Ruto, j'ai eu l'agréable surprise de rencontrer un homme direct et déterminé qui avait bien préparé notre rencontre et qui savait parfaitement en quoi son pays pouvait nous aider de manière efficiente dans le domaine de la sécurité et du renforcement de nos forces de sécurité. Il en est de même de son ministre des Affaires étrangères. Les premiers ministres du Rwanda et du Burundi ont manifesté leur intérêt et leur désir de nous accompagner. Le président Emmanuel Macron a rappelé l'engagement de la France aux côtés d'Haïti et sa volonté de continuer à travailler avec d'autres collègues pour une réponse aux demandes formulées par notre pays. Nous avons profité de notre passage à Paris pour rendre visite à la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo. C'est une très grande amie d'Haïti, avec qui j'avais eu de nombreuses conversations téléphoniques. Elle s'intéresse à notre pays depuis qu'elle a été ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Elle souhaite un véritable rapprochement d'Haïti avec son pays et le Rwanda. Elle a été notre avocate auprès des pays africains. Elle fait plusieurs autres rencontres intéressantes. Mais pourquoi qu'on ait plus de détails. Mais moi espérer m'a dit nous très bientôt plus. Par ailleurs, il m'a été demandé d'intervenir au nom des pays du V20 qui sont les pays les plus vulnérables aux aléas climatiques pour clôturer un panel sur les impacts des modifications climatiques sur la santé. Le ministre de l'Économie et des Finances de son côté, a participé à un panel sur les mécanismes de financement innovants en faveur des pays les plus vulnérables et il a fait un exposé sur la question. Moi qu'on est, les amis de la presse, nous te suivons tout ça qui a passé dans la Coupe Paris. Moi comptez sur nous pour partager avec tous les compatriotes nous, toute information sur le débat qui était fait à Paris. Nos problèmes de sécurité mobilisent toute notre attention, absorbe toutes nos énergies et ne nous laisse
peu ou pas de temps pour nous pencher sur les grandes questions dont on parle dans les forums internationaux ou régionaux et qui nous concernent et concernent l'avenir de notre pays et de notre jeunesse. Je veux parler de la réforme des institutions financières internationales. Les structures de direction des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, datent de l'après-guerre. Le monde a évolué et elles doivent s'adapter et laisser plus de place aux pays qui n'existaient pas au moment de leur création. L'augmentation de leur capital pour leur donner les moyens d'intervenir de manière plus significative dans les pays qui en ont le plus besoin est nécessaire. L'identification de nouvelles forces de financement pour combler l'écart entre les besoins et les moyens disponibles. Remboursement des CPIO empêcher eux de joindre l'argent pour financer le programme de développement de la CAIO. Taux d'intérêt trop haut. Tout le monde est obligé d'accord. Il faut qu'il y ait un bagage qui fait pour corriger ça. Il n'est pas normal que dans notre pays, on ne parle même pas de l'initiative de Georgetown sur l'impact des aléas climatiques sur des pays qui n'ont en rien contribué au dérèglement climatique, mais qui subissent aujourd'hui les impacts. Ce document produit au niveau de la CARICOM est porté par la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, a retenu l'attention du monde entier depuis sa présentation à la COP28 en Égypte. Nous devons nous approprier ce texte et en faire notre cheval de bataille. C'est dans l'intérêt de la planète. Le sommet a permis un certain nombre d'engagements traduits dans le consensus de Paris pour les peuples et pour la planète. Je ne vais pas reprendre ici tout le contenu de ce document qui est disponible sur le site du sommet. J'attirerai cependant votre attention sur le fait que l'objectif de mobiliser 100 milliards de dollars devait être bientôt atteint. Il en est de même pour la réorganisation de 100 milliards de droits de tirage spéciaux, les fameux DTS. Le ministre de l'Économie et des Finances était présent à Paris. Nous devons travailler pour que notre pays puisse soumettre des projets en vue de bénéficier de cette nouvelle facilité susceptible de renforcer notre résilience face aux catastrophes naturelles, aux tremblements de terre, aux cyclones, aux inondations et aux sécheresses. Il est temps que nous sortions de notre crise politique et sécuritaire qui a trop duré. Nous n'avons plus le temps ni le droit de nous complaire dans la situation actuelle. Les chantiers qui sont devant nous sont immenses et je souhaite que tous nos compatriotes acceptent de faire tout ce qui est possible pour participer à ce grand combat national pour le relèvement de notre pays. Haïti doit renaître. Haïti renaîtra. En tout cas, merci UPM, merci et pour promesse qui va jamais réaliser yo. Merci parce que vous avez fait des rencontres bilatérales importantes ou espérez qu'il y ait des changements la caille. Merci parce que vous avez fait nous dormir et mais faut moi nous pas doit faire un patin haïtien, un patin peuple à dormir. Il y a des monde qui pas dormir pour, il y a des monde j'ai été calé, j'ai été clair parce que faut nous rester éveillé pour nous capoter information ba peuple monde qui cap dormir yo, monde qui choisit peut-être quoi dans ou quoi que ou capable faire un bagage qui concret ou capable boton bagage qui concret et dans 2 ans nous pouvons jamais voir qui ça qui concret porter qui ça administration la porter et de valable de concret de plausible qui aider pays et gagner ancien sénateur Nolan Moïse Jean-Charles ancien sénateur pour moi son rêve li fait et par rapport avec les dernier incident qui passé dans BRH. Eh bien, maintenant, là, Maurice Jean-Charles, qui t'a intervenu dans Radio Caraïbe, dans l'émission Grand Boulevard,
Ancien sénateur a tellement parlé causé et moi-même tout t'a parlé ba ça là. Me senti mon petit genre flou, dans le flou et me galère pral boire et on trois gorgées de l'eau glacée, me pral bay figi bon trois coups de l'eau glacée pour me réveiller dans rêve ça parce que et moi je chale plonger me dans rêve et ba tête chargée net là. Donc ancien sénateur a estimé que et ça qui a passé dernier bagaille qui se passé dans BRH là incident côté que yo ta piraté système BRH etc. Eh bien ancien sénateur a fait connait que et bagaille l'en plus grave toujours et li indexé li longé doit sous diverses catégories moun que ce soit dans l'état moun qui t'est passé déjà moun qui là avec moun qui dans secteur privé des affaires là qui impliqué dans craser système bancaire qui impliqué dans craser pays et qui quand même contribué dans faillite l'état ou même qui gagne l'argent dans la banque ou même qui dans diaspora qui a voyé l'argent pour former qui a voyé l'argent dans la banque et bien faut qu'on tende ancien sénateur pour connait qui a venu titiocho là qui a venu mani ou là gagné dans moment n'a parlé là on nous garder avec moi intervention moi Jean Charles là bonne question non mais toi t'es quoi matin t'es important pour ça parler c'est le monde qui pour nous rire premier monde de saluer Dadou Jamba. Et m'a dit pays à qui ça? Un journaliste, oui, dans notre pays, qui dit, mais ça, monsieur, ça a fait. Tout pays, hein, la presse en Haïti, chauffé, or, il met des monsieur sous poteau, il a quitté, et puis officiel. Finalement, l'alde vengé, axé dans quoi le bouquet? J'ai parlé de tout le monde qui a plein de gens. Il y a une information qui est côté de lui, pas de monde qui vient. Et pour qu'ils aient fait le Jean Bassa, il faut payer pour ne pas gagner. Oui. C'est parce que Haïti est au niveau bolien, l'arrivée en face Canada, l'arrivée en face Mexique, l'arrivée en face des États-Unis, il était quand même battu l'équipe ça, parce qu'il n'y a pas de Haïti. Trois pays, ça y a quoi? Haïti pour arriver dans la finale. Ou pas, je ne sais pas, mille haïtiens qui ont déplacé et qui n'ont pas gagné l'argent. Mais si c'est un pays tant que le Canada ou bien Mexique ou bien les États-Unis qui viennent en finale dans le grand plan, c'est des millions de compatriotes pays qui peuvent déplacer et venir en finale là. Pour ça, on dit Haïti en danger. Et puis, qui ça a utilisé? Il y a un petit journaliste, pas de dit qui prend décision à qui ils ont pour ça. Et puis, le fait que y a besoin de crasse d'Haïti qui a monté dans le football là, eh bien, je dis, yo crasé Dadou Jamba. Konyen, c'est que 70 écoles de football qui étaient apportées dans tout pays, yo crasé. Finalement, quoi de bouquet, crasé. Toute initiative qui t'a pris, même alors que le football a tapé une condition extraordinaire. Je dis, l'équipe de Calais, je ne suis pas capable de saluer le joueur qui fait partie de la sélection nationale. Là. Ensuite, jugeant tout qui t'a dit, tout le monde qui a une formation vénale, pas le monde qui est venu, payant condamné le jugeant. Alors que dans le jugement qui t'a gagné entre Dadou Jamba avec FIFA, juge, oui, je salue un juge haïtien qui te prend une décision, ça, j'en parle là. Mais je dis à condamner le journaliste qui t'a acquis Dadou Jamba. Même le monde qui t'a acquis Dadou Jamba, il ne va pas parler de ça. Maintenant, je ne peux pas me saluer de Moussa. Troisième, je veux saluer. Je veux saluer Maman Lavi, qui c'est Docteur Marie Liliane Védi. Pour qui ça? C'est parce que ma pande moun, yon moun qui entre dans le pays, hein, qui fait étude de l'autre bord, qui vient en forme d'affaires et qui vient de Haïti, qui vient d'Haïtien, il fait hôtel, yon fait le coup qui se paye parce que de kidnapper, l'autre moun prend hôtel là, yon dormi là-dedans, yon fait toute qualité marie là-dedans, crée, au lieu que moun pote solidarité by Dr. Védrig. Qu'on est en douce ligue d'un hôtel pour faire ça. C'est pas grave. Moi-même, les gens de la question passent dans la société, sont condamnés et sont répétés fort. Pour l'autre monde, entendez. Où est-ce que passe? L'autre monde qui n'est pas ici, entre dans le pays, ou qui nous vient banque pour faire l'argent. Il y a l'autre compatriote qui est en pays, qui vient d'Haïti, qui vient d'Haïti, qui a fait social, qui met des fondations. Au lieu qu'il y ait condamné, kidnappé, qui fait soulier, c'est critiquer. Ça veut dire moi-même. Les gens de bagage ça aujourd'hui dans la société, hein, sont campés pour me dire non.
quoi est important pour te faire et remarque ça matin. On y a, Johnny, avant même nous arriver, ma question, vous posez là, nous avons vu le matin en plus, nous devons parler avec nous. C'est par rapport à la Banque centrale. N'abrivé sous ça, sénateur Moïse, nous permet que pour élaborer dans l'introduction là, et nous allons voir les questions économiques, nous allons voir les questions d'insécurité à Cap-Point-Jarre, notamment dans plein là avec Balat-Tibonite, mais nous allons voir toutes les questions politiques. Nous connaissons des rencontres Cap-Fed, des accords qui étaient signés, des négociations Cap-Fed, pour nous garder côté petit de saline située dans tout ça. Moi, Jean-Charles, première question que je m'a posée pour la République. Moïse, et je souhaite que vous preniez tout bien entendu. Il y a des gens qui ont remarqué pendant le dernier jour, le dollar a baissé sérieusement. Donc, presque chaque jour, il y a un petit bail qui sorti. Bon, on va parler sur base taux de référence BRH là. Mais ça n'a pas empêché, sénateur Moïse, prix produits alimentaires toujours été même gens. Donc, nous connaissons même à un certain moment où tu prends. Et bâton pèlerin, ou te dit comme ça que ou même, ou bah y'a banque pression pour changer ça, ou te même dit à un certain moment le dollar descend dans cette œuvre Paul. Je dis à la même, pour qui ça mouille Jean-Charles, ensemble avec toute équipe li, pas bah la République, yon coûte mais, genre on a dénoncé soit importateur qui pas voulu descendre prix produit, ou bien des responsables banques qui ont même a fait marchandage avec dollar. Merci. Maintenant, je vais poser une question à la Banque centrale, Johnny Ferdinand, Guédiessel. Avant de m'aborder, point ça. Je vais poser une Banque centrale question. Ça passe la Banque centrale? L'agent citoyen, exactement. Ça passe exactement? On peut le rumeur? On peut le causer? La Banque centrale n'a pas arrêté pour le fermer la bouche. Tu n'as pas dit citoyen, ça passe exactement dans la Banque centrale, non? Est-ce que c'est un bagage qui passe à Trio? Est-ce que c'est un coumette? Ou bien est-ce qu'effectivement, oui, il y a un pirate bancaire? Si toi, il n'y a pas de l'argent, et puis qu'on y a un gros bagage ça, que nous tentons qui passe dans la Banque centrale, et puis il y a un casse feuille pour vous ça, non? Vraiment? L'impossible? Faut que si toi, on connaît exactement côté l'argent, oui, oui, dans la Banque centrale. C'est le bagaille. Maintenant, tu peux être extrêmement important. On te fait une mission ça pour payer à connaître. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en Banque centrale? Nous pas accuser les gens. Mais le gouvernement n'a pas passé. Tout le pays a prévu ton bagaille pour Banque centrale. Il faut que comme élément d'information. Sauf qu'on est. Comme nous sommes leaders politiques qui toujours est formé, dis-nous non. Qui sont gagnés? Qu'est-ce qui maintenant nous nommer? Écoutez. Gagné presque 10 l'année, m'a dit citoyen yo, venu. Et m'a même dit citoyen yo, le nan nou banque yo, yo dit nous pas de signal. Ou bien yo dit nous allez nan retourner. C'est pas vrai. C'est l'argent qui pa gagné citoyen yo. Ça fait longtemps m'a dit, et m'a dit sur antenne Radio Caraïbe. Yo dit yo, gagné de faire. Johnny Ferdinand, Moïse Jean-Charles, je me pose des questions tant que tout le monde, tant que son citoyen responsable. Nous t'en aimé. Après l'émission, ça m'a fait avec nous. Pour mon centre d'indignation, exactement de quoi il en est. Moïse Jean-Charles, tu as toujours annoncé ça pour arriver dans le domaine bancaire. Je me dis citoyen ou ça. Et, question à poser, depuis 1998, depuis que la Banque centrale a été retirée, je vais remettre une banque. Il y a un problème qui vient exister dans le pays. Ya. Depuis 1998. Je dis, là, on va mettre une banque. Tout dit, je vais mettre un gaz encore. Dans mes sous, dans mes total, dans mes nationales. Je vais mettre une banque. Sous tête calée, je vais retirer la banque. La question gaz. Yo retiré, on fait des monde qui te confinance gaz là, retiré yo, et puis yo remettre une banque encore gaz là. Sénateur, n'a pas noté pour répondre aux questions. Non, selon vous-même, qui s'est passé et au niveau de la PRH. Mais c'est question à poser même j'avais tous ces chachots à chercher qu'on est fort, dis-nous. Écoutez, ça a toujours passé dans un pile pays.
le gouvernement a eu un déficit budgétaire. Et puis, qui ça a fait? Il n'y a pas comme ça pour le faire, comme problème, comment on peut résoudre lui. Eh bien, là, ça a, il faut aimer notre réseau public là. Et bon, pas avec citoyen matin, si ça vous entendez bien, oui. Les gens ont fait monter. Nous avons 900 millions de dollars américains comme réserve, non. Et n'importe quoi, nous avons attendu, nous avons écrit soit à Ferdinand, ou bien Gendisel pour dire, mais ça, moi, j'ai dit, c'est pas vrai. Et attendez bien. Écoutez, nous avons 900 millions de dollars américains comme réserve. Dans la question, nous qui devons être pour campagne, bon citoyen qui était à Péguyville, lui qui était à Péguyville dans le gros cas qui était arrêté, là, le petit cas tout que Jovenel Moïse dans le PLR5, chaque matin, là, le café avec Jovenel Moïse, Jovenel Moïse a tiré 200 millions de dollars américains dans 900 millions comme réserve, nous, lui, ben, citoyen, ça, pour question caravane. Je comprends bien ce qui a passé là. Qui est notre citoyen ça? Je ne vais pas le nommer comme moi je m'a fait. Parce que je ne vais pas le nommer comme moi je m'a fait. Je ne vais pas le monter encore. Je ne vais pas le parler avec les gens. Je ne vais pas le parler de 200 millions. Nous parlons de boulot. Nous parlons de maison naissante. Nous parlons de boulot. Comment? Nous parlons de maison naissante. Nous parlons de boulot. L'agence ça pour fait qui ça? Exactement. Next à you, qui ça vous fait? Chaque matin, elle veut faire avec Jovenel Moïse. Je dis Jovenel Moïse, pour soit ton grand président, pour diable Jovenel Moïse, pour ça c'est bien que tu as fait. Je dis pour soit ton grand président, pour sortir de l'État, et pour créer une institution qui est le caravane. Autant c'est pas joué, non? Sauf que si on a besoin de Jovenel Moïse matériel, pour faire l'argent, oui, je ne reconnaissais pas le diable. Il se prend 200 millions. Il baille. Mais on y sonne. Qui question. Qui côté il prend 200 millions ça et qui sa mécanisme non, de décaissement ça de. Dans le trésor biblique là. Il prend dans le trésor. Ça dit nous avons 900 millions comme réserve. Donc, dans le premier temps, Jean Moïse prend 200 millions. Il faut qu'il y ait compris pour qui ça y a nous gratter l'argent. Ou bien pour nous problèmes dans le pays. L'on retire 200 millions. Après quoi? Et je le docteur. Qui est Jovenel, Jovenel a tiré 50 millions, libre encore. Ou qui a tiré 250 millions dans 3 ans, 600, dans 900 millions pour te gagner. Vingé une inondation dans le Grand Sud, Jovenel a tiré 50 millions encore. Pour nous, qui a 300 millions, et ce même million encore, je vais me les 50 millions encore. Ça veut dire, la bourgeoisie prend 300 millions. Ça veut dire, bien payé. Ou qui a 600 millions qui étaient. Fonds monétaire international, paye à tenter, bien pour nous, on a qui ça nous y est. Fonds monétaire international, qui est dans la banque centrale. Même si c'est une banque au niveau international, mais il y a un représentant parce qu'il y a tout le monde là, en dans la banque. Fonds monétaire international, dit Jovenel, eh bien, ou bien 600 millions qui étaient, ou pas qu'à former là-dedans encore, parce qu'il y a 100 millions qui étaient, qui pour couvrir. Transaction internationale, yo. Si on a fait transfert, si on a acheté, on va mettre chèque, on fait commande à l'autre pays. Il faut gagner l'argent réserve qui l'a pour payer pour vous faire des transactions. Jovenel Kounia, je ne pas dire quoi Kounia dans la réserve, non. Et on veut nous comprendre ce qui s'est passé là. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, Jovenel a tiré le gaz là. Il était dans le métier de Calais. Parce que dans le premier temps, il y a un Unibank, il y a un Unibank qui est dans le politique. Dans le deuxième temps, il y a un Unibank qui est dans le métier de Unibank. Il y a un capital banque. Jovenel qui est dans le gaz dans le capital banque. Et puis il y a un chef Abdalali. Il y a un peu de gens qui sont là. Là, il y a un chef Abdalali. Chef Abdalali, tu es Jovenel. Mais comment tu es? Je ne vais pas parler de l'association assassinat, non? Mais économie pas valant. Chef Abdalali fait deux coups. Gaz là, c'est pour nous raconter pas que l'argent sorti, mais c'est pour comprendre ça. Gaz là, là on va acheter, il y a des façons pour acheter. Ou quand on achète le marché chaud, ou quand on achète le marché fouet là. L'on achète le marché fouet là, c'est l'autre commandant, il y a un mois d'avance. Si on achète la vente, 40 dollars, on achète 40 dollars. Mais si je commande gaz là, moins qu'il y a un mois,
Laisse pour acheter le marché chaud. Si Paris la vend 40 dollars, on peut acheter 50 dollars, on peut acheter 60 dollars. Au contraire, ça, c'est pas dans la fin. L'acheter Paris là à 40 dollars depuis plus de mois, et puis le bateau de la monnaie. Et puis, qu'on est là, que campé pour gaz. Et puis, je ne m'oblige à acheter gaz là, mais c'est au moins. Et pour ton bateau, c'est qu'il est là depuis, depuis plus de mois, de la monnaie. Et puis, qu'on est là. Journal, je ne pas quoi. C'est un journal dit bon, pas de problème, je fais comme on est pouvoir que tu as payé. On ne pas comme ce jour-là. Et Gona ici avec ses vandales, c'est dans le tribunal dans la Cour New York. Des bagages, ça y est. Gaz, avec des l'argent pour question qu'à maintenant. Système, non. Créage de nous. Qu'on y a l'État vient payer quoi. Pour faire comme un gaz. L'État soi-même, dans l'argent citoyen. Pabliye sa la pese e kompren la, se rapor ki gen an trop explike yo la avek problem jodi a la ki pase e BRH ki yon ti jan enkiyete un moun ki gen la jela bok yo. Se de sa nan pale, lop jusqu'a prezan, lè ap avanse nou poukou wè e rapor a senateur eseye poukou plus explicite pou nou. Exactement se la mbe rive. Tounye ya, lè lè ta bagi rezerv ki pou pali men. Ki sa lè ta fe? Lè ta prete kom sitwen yo. Ou yon ki gen, jen lor la ban. Le ou eten gaz la, nomen Total, nomen National, nomen lor koupay gaz yo. Le se koupay sa koute kon chè koman gaz la, a yi fè ou pè gaz la, an goud, koupay sa koun degaje yo, jwen de la, pou yon chè gaz la. Men lor ou eten gaz la remen yo, yon men yon te panse tèt yo se ene an doa. Je tombe pour ma vôtre. Je ne pas comme ce jour-là, je me suis même brûlé devant le tribunal. Je n'ai pas arrêté, je suis fait pour la gueule. Je ne peux pas changer ça. Pour la compagnie, ça a dit, l'État qu'on reste gaz à l'avenir, nous, bon, on a besoin de gaz à pour nous, mais nous avons combien en monnaie locale, en goutte. Je dis, je me suis besoin de dollars. Dollars, nous avons commencé à vous utiliser la question caravane. Et qu'on est là, pour besoin de dollars, ou obligé à prendre l'argent citoyen. Ça veut dire, nous avons des biens pour nous prendre qui s'annouille, oui. Et c'est pour ça, même matin, nous faisons mission ça. Qu'on est là? Le gouvernement qui l'a, soit je ne le gouvernement qui l'a, ils ont prêté comme citoyen parce que les peuples avaient campé. On va faire comme un gaz. Qu'on est là? Gouvernement, ni soit je ne le mois d'année ça qui l'a, ils ont obligé, soit même, dans le trésor, dans la banque centrale, pour prendre l'argent qui est en là, l'argent déposé dans une banque, l'argent déposé dans le banque, l'argent déposé dans la capital banque, l'argent déposé dans la banque nationale de crédit, l'argent déposé dans la banque de l'Union haïtienne, ou bien capital banque, ou bien banque populaire haïtienne. Tout l'argent qui est dans la banque centrale, parce que nous partions de la banque centrale, eh bien, gouvernement, ils ont prêté l'argent à. Attention, ça qu'on fait. États-Unis qui a prêté l'argent, citoyens, mais attention, États-Unis qui a pétrole la vanne, États-Unis qui a jambe la vanne, États-Unis qui a machine la vanne, États-Unis qui a production, et États-Unis qui a citoyens qui a payé taxes, laissez-le l'argent pour nous casser l'argent prêté dans le trésor biblique. Mais nous-mêmes, citoyens qui nous le pauvres, nous payons l'argent pour nous payer taxes, et même si c'est encore mauvaise gestion, quand l'État ici prête l'argent, yo. L'État ici pas qu'il a fait pour remettre sa vie fait. Les citoyens, allez dans le banque, yo, dit citoyens pas qu'il signal, et pourtant c'est l'argent pas gagné. Deuxièmement, ça pique la caille. Si nous comprenons bien, soit APC expliquer nos matins là, donc question problème technique que Banque Centrale APC avance à, donc l'IPAKMBE. C'est pas ça du tout d'après vous-même. L'IPAKMBE. Son prétexte. Son prétexte. Et je ne peux pas comprendre bien. Et dans le pays, pour en Haïti encore, qui sa banque fait? Banque qui sa fait? Yon pour l'argent, nous-mêmes citoyens, yon. Et puis yon pour tes amis, yon. Qui se lance, yon. Pour yon faire comme un bateau du riz. Bateau farine. Les duri a pour convenir. Les bateaux farine a pour convenir. Moun qui prête l'argent, ça yon. L'argent citoyen, oui. Yon pour convenir. Les bateaux pour convenir. Ou bien si bateau a venir, yon pour convenir. L'argent, ça y est, il y a encore tout le monde.
connais ou même qui citoyen qui encore comme une classe moyenne qui gagne des sports ou ta vend chaque jour ou elle déposer cash banque là pour faire commande banque ou est-ce que c'est l'argent même si tu gagnes 100 000 dollars banque là dit seulement 1000 dollars cabao c'est ça qui passe là oui connais là les banques qui ont quand même mettre comme le dit tout comme ça tu as l'argent qu'elle prête l'argent citoyen yo yo pour yo faire pour faire ça ou bien pour faire pour acheter gaz ou bien pour faire ça ou bien pour faire qu'on y a là les citoyens ont bagagé de l'argent yo ça a toujours passé dans un pilote de pays oui moi moi alors ça moi même m'a essayé et d'eau pour capable expliquer puis bien dans information monde qui connaît au bail la république sur question problème BRH là il pas empêcher citoyen de l'argent ou la banque ou bien faire des transactions dans banque respective yo ni simplement et empêcher que gagner des connexions entre banque à banque ça veut dire des transferts qui fait donc banque à un l'autre donc compte à un l'autre non l'autre banque il empêcher que gagner et des services qui lient à question pour NAPLA question ATM question carte de crédit et la trier il empêcher des bagages comme ça mais il pas empêcher que un monde qui gagne compte li dans Société Banque dans Unibank banque dans BUH BNC aller dans banque là faire dépôt faire retrait normalement donc selon ça nous gagne comme information écoutez ouais c'est là oui l'autre fait un jugement pour un monde l'argent toujours était dans le système là mais si on prend l'argent cash il va pas boli et les citoyens pas dans la caisse là car écrire bien nous même tout nous prend des informations comme ça journal professionnel nous hier nous avons dit dans la ville je m'a dit là qu'est-ce qui passe Ferdinand Guedesel si on le fait par exemple en tout cas moi ou mettre tes sous soif fou il fait 8h02 dans ton studio Caraïbe FM nous prenons prendre pause là mais l'aime tourner n'a tout monde autre service ça et c'est beaucoup plus concis et précis pour nous parce que nous gain problème dollar là faut dire qui ça cap fait là parce que rien pas descend pendant dollar descend là insécurité à tout faut qu'on nous connaît qui regard sur lui et puis négociation politique qui cap fait là pour nous connaître qui côté petite Dessalines campé réfléchis sur ça yo pour qu'abandon des réponses précises n'a pas connaît ou pas en économiste nous pas accentuer nous trois ou bien nous pas éterniser nous sur question économique yo n'a permettre qu'on conclue vraiment dans une minute et compréhension sur ce qui passe BRH là mais après tout dis-nous qui ça qui fait et petite Dessalines Maurice Jean-Charles par en position pour la République en coûte mais nous sommes le dernier mouvement que tu as gagné dans le pays par le passé concernant la question de la tape montée ou tu revendiqué pour te dire c'est pression politique ou c'est bataille ou tu mené qui te permet que dollar descende qui te permet que prix pour Dieu descende au contraire Ferdinand nous la gauche ou même pas jamais dire bon président mais après c'est économie comme avec mon président c'est l'inflation, c'est l'aspect économique qui va prendre toujours comme bagaille banque parce que nous-mêmes qui ça nous fait nous la gauche c'est garder la grande économie ça veut pas nous avec système là ça veut dire il y a trois bagailles qui finissent avec nous j'aime ce dollar c'est que nous caravane et puis 200 millions de dollars américains qui débloquent dans le premier temps 50 millions après bon 300 millions et troisième décision c'est question gaz là l'état vient pas récompenser pour acheter gaz là l'état vient prêter comme citoyen yo et enfin mettre banque tout le temps comme citoyen prêter ami yo alors que monde qui pose problème banque yo il faut prêter comme même pour matin hein l'était comme un citoyen responsable moi senti interpellé par citoyen qui en dans pays qui a l'argent dans la banque et qui a en conséquence pour nous même qui va pour la banque nous sentons qu'il était important pour nous être capable de poser des questions ça au matin jeudi à Ferdinand pendant la question économique là moi banou petite nouvelle projet Bit Good là non qui côté projet ça passé nous sommes pour l'autre venir ou te faire vraiment une grosse campagne pour question Bit Good là et puis c'est garder nous pour que ça disparaître ta cousin clair dis la vous que projet Bit Good là passé. Très bien. Le nom même notre initiative pour faire Bitgood là, c'est par rapport à la monnaie alternative que nous voulons bailler pays. Nous gardons Bitcoin qui est sorti en dollars, il est arrivé 60 000 dollars. Et responsable qui est ensemble avec nous, qu'est-ce qui est sorti dans notre pays ou bien haïtien qui était dans la question de Bitgood là avec nous, nous disons pas avancer parce que monnaie là, il va prendre un coup. Et après, nous avons besoin de crypto-monnaie, nous avons besoin de bitcoin qui te coûte 60 000 dollars. Je suis arrivé dans 18 000 dollars.
Ça veut dire si nous même nous pas être avec 10 dollars pour un Bitcoin, et bien nous pas le vendre, mais ce qui est $1. Et qu'on y a, l'elle vient monter, si elle vient monter 10-15 dollars, l'on achète le masque $1, et nous pas gagné un Bitcoin $15 dans le même $20 dans le même, nous avons une quantité comme nous allons payer. C'est même genre, après chaque question que tout le monde a été chaud dans tout le monde là, nous prenons coup, et ça va empêcher de remonter non, parce qu'il va pas combattre. Mais en attendant, un problème majeur, et pas seulement au niveau de même, mais à terme de l'an, même un bitcoin qui peut coûter $60,000, $65,000, hein, je vais descendre $18,000. Ça veut dire, nous pas l'été à limiter le bitcoin là-dedans. Nous, on vient avec $100, on a son paquet, non, mais nous, et puis après, là, je vais monter la néfaste pour nous. C'est ça que fait, nous t'ai dit, au lieu qu'on y a un pour ce bitcoin là, nous tremble en attendant. Sénateur Moïse, n'a pas rappelé que n'a fini à trouver vu dans 5 minutes. Donc ça veut dire tout responde là, il faut finir tout. Donc essayez plus concis ou non. Eh bien, ok. Ça veut dire nous-mêmes, nous avons intérêt pour nous parler poser des questions au matin. Question que ça est vraiment pertinente, pour nous connaître tout l'agent citoyen, vous voyez. Et en même temps, tout, pas que le président aujourd'hui, pas que le Parlement, comment pour nous capable de une chasse privée à 40.3. Nous avons arrivé là, question initialement, si vous songez bien, c'est qui regarde Petit Dessalines, qui regarde Maurice Jean-Charles sous ça, pendant vous avez comme l'impression, petit goud là pour prendre confiance devant dollar, mais ça n'a pas empêché pour du première nécessité. Soit il était même gens, soit il augmenté. Donc nous connaissons même où t'es par le passé mené des batailles politiques pour te dénoncer, importateur, banque et latrier. Donc ça, c'est qui ça je dis à. Ça prend face au pays. Nous, nous avons dans le pays, c'est citoyen qui a le bien qui voyait de eux. Pour dollar baisser, et puis pour vous dire même prix. Là. Et puis même gaz là tout, pour s'arrêter même prix. Ça veut dire, nous t'es annoncé, nous dit, après fait au Caplan, mobilisation pour les dans tout le pays contre le gouvernement ça et contre banque. Et nous t'es annoncé ça. Je dis, vous voyez pour nous parler tous sur question de négociation politique, on parle de nous dit tout le monde. Nous avons observé ce qui a passé en dans Samuel Hôtel Caribé. Nous pouvons arriver là, ou mettre Fonti et poser pour nous toujours, sénateur, un peu deuxième point qui c'est insécurité. Je dis pour la plus belle, donc Gagno reprend service dans la région métropolitaine et dans de l'autre ville de province, notamment au niveau de Bala-Tibonite. Donc, insécurité est venu à renforcer en pile et axe routier inaccessible par rapport avec bandits qui occupent. Donc, ou même comme leader politique, ou même comme dirigeant politique. Donc, comment on comprend ça? Son pays a connu insécurité par un barrière qui fait par hasard. Il y a plusieurs mains des deux. Non seulement il y a un parti international là, il y a un parti de gouvernement. Ils ont parti des leaders politiques. On faut payer pour nous ça. Insécurité à qui ça lie exactement. Bon pouvoir qui besoin paterniser dans notre pays. Et après, il y a des monde qui autour du gouvernement ça, qui ont même encouragé la sécurité parce que le pape a gagné l'élection, il y a bon pouvoir de transition qui dispouille. Deuxièmement, international n'a pas un candidat qui peut pour l'élection. Pouvoir pas un candidat qui peut. C'est que nous avons un candidat qui pourrait. Le fait que nous n'avons pas compris l'élection, bon, on garde les jouets là. On crée une insécurité, même si on a parlé de questions conseil électoral, ce n'est pas un vrai pays. Ce n'est pas un vrai haïtien. Parce que le système n'a pas compris un candidat qui pourrait pour affronter Petit de Saligno. Il n'y a pas pour qu'on ait pris l'élection. Un gros pouvoir qui dit que je tout ça a besoin. C'est seulement un peuple qui est en difficulté. Et bien, on dit, bon, mais ça n'a fait. On crée une insécurité, et même si on a été gagné, on se calme dans la question sécuritaire. Ou pas de besoin de penser pour une action comme ça, son résultat, son c'est un travail gouvernement. Enfin, d'ailleurs, ou bon dit ta police, son sénateur président qui met elle, ou bon dit ta police qui sait politique qui met elle, qui passe son travail technique, sans empêcher pour la sécurité. Ça veut dire, la sécurité, c'est un travail qui fait par hasard, c'est un travail qui contrôle, c'est un travail qui fait, qui planifie et qui tourne contre le haïtien. Ça fait mal. Il y a identifié ces éléments dans le ghetto, mais gros meilleur au diable. Qui ont même mis question de sécurité, ils n'ont pas acheté de nous. Alors que l'insécurité, lui en amont et lui en aval. Sénateur Moïse, si l'élection a fait dans la fin d'année ou bien dans l'année 2024, là, Petit Dessalines Paris pour participer à tout niveau? C'est ça que je te dis, nous ne pouvons pas aller en Jamaïque, nous te dis qu'ils ont besoin,
tout pays en dit qu'il va falloir confiance pour question élection. Deuxièmement, ou bien une insécurité qui est vraiment généralisée dans tous les quatre coins pays. Hein? Et pour lié à des quoi le point où l'élection, ou même si atteint, la véritable catastrophe, et nous pas quoi. Pour nous répéter ça qu'on passe déjà, les élections frauduleuses, les élections qui mal passées, et bien, conséquence, c'est mauvaise gouvernance, c'est corruption et c'est monopole. Nous, même plus de Saligno, nous optons pour nous accrocher nous à la démocratie, mais ce n'est pas n'importe comment. Ça veut dire qui ça? Négociation qui a fait, quelle négociation qui fait en dans Montana, pas Montana non, en dans Hôtel Caribé, quelle négociation qui fait au niveau Jamaïque, négociation ça ne va pas porter fait, parce que façon pour le faire là, je ne pas faire. Et après, qui résulte, depuis le nous avons dit nous ne pas Jamaïque, nous ne pouvons pas parler avec Payan, nous disons Payan, nous ne ça nous voulons, nous n'avons pas besoin de monter avion à Jamaïque, qui ça nous voulons. Nous avons besoin de Paris, oui. Nous avons besoin d'un conseil électoral. Nous avons besoin d'une élection qui fait, mais ce n'est pas étranger pour financer. C'est ça nous besoin nous-mêmes. Et si jamais Ariel va aller, c'est lui qui organise l'élection, pour avoir l'élection avec elle? Pourquoi vous voyez comment Ariel peut organiser l'élection? Parce que nous avons le payant, nous ne pouvons pas croire qu'il le conseil électoral du peuple haïtien. Nous ne pouvons pas le faire. Dernière question pour nous finir, sénateur Moïse, dernière question pour nous finir. Négociation politique. C'est ça qui sujet à là et en pile job à Paris pour Alba là, il y a des monde qui a filé pour créer, il y a des vestes qui ont acheté et qui ça offre petite Dessalines là, qui ça propose petite Dessalines là, ministère de l'Intérieur, ministère de Justice ou Fatna va visiter ou na? On pas quoi petite Dessalines pour entrer dans logique négociation, c'est ça que m'a dit tout le monde. Nous pas participer dans réunion ça yo. Nous pas voyer monde, c'est ça que depuis 2018 sous journal Moïse, nous t'ai dit président avant de mourir. Nous avons dit tout petit de Saligno et payant, nous plaider pour un forum, inclusif. Un forum qui n'a pas adressé cette thématique stabilité à l'émergence paysan. À quoi dans un salon, à quoi dans un gros hôtel, pas côté fruit. Petit de Saligno mandé, et pour tout militant, yo, pour et moun qui dans le monde culturel là, ça qui dans le monde universitaire là, yo tout moun qui tout en question. Et nous parlons des chrétiens autour, nous parlons des gens qui sont dans le monde vaudouisant. Tout le monde sait, il y a des mots pour dire, je ne sais pas où j'ai fait ce là, puis de Salines a observé. Je ne sais pas si nous avons fait ça, nous avons observé ce qu'a fait, et nous avons trois observations que nous faisons. Parce que la méthode que nous avons utilisée n'est pas pour tes fruits, parce que ce n'est pas systémique. Parce que c'est pas qu'on soit qu'apparaître, les wap chercher une solution à en crise pour les deux pour trois groupes. Non, il faut que tu es chita avant pour dire, mais qui ça n'a pas comme solution, et puis dans le côté, nous dit, mais ça n'a pas comme solution. Et puis je dis à dialogue, yo, qui est face côté dans yo, parce que trois acteurs qui créent crise, yo, qui est acteur politique, là, qui est acteur chanel en bouche de l'économie, hein, qui est acteur international, yo, c'est yo qui met crise dans. Et puis c'est un peu quand je suis entré pour échanger solution. Solution, ça va nous pas venir. Une minute, Jean-Charles, pour nous finir. Une minute pour nous finir. Et qui ça agenda Petite Dessaline? Qui ça pays à population qui a espéré de Petite Dessaline dans le jour qui vient là par rapport à Sangela comme crise pluridimensionnelle? Effectivement, non seulement par rapport à la crise politique, par rapport à la crise économique tantôt. Parce que nous avons un déficit budgétaire qui est évalué à 80 milliards de gouttes. Et nous saisir parce que Jean Malabou a cassé mes citoyens pour faire l'argent, pour le gouvernement. Pendant ce temps, nous avons un déficit budgétaire qui est 80 milliards de gouttes, alors que nous n'avons pas un parlement de paix, nous n'avons pas un président qui met en place un projet qui a besoin d'argent. Je dis, on a demandé comment ça peut passer. Et ça que nous dit, par rapport à la richesse, pendant deux ans, baisser la richesse a augmenté, gaz a augmenté, et bien nous dit, à partir après 7 cap haïtiens, après 7 au capio, mobilisation par le compte. Dans tout pays pour qui ça? Et comme dit pour qui ça? Faut que tu aies des raisons. Faut que les bourgeois qui gagnent un business, on ne va pas parler de classe moyenne, mais si tu as importé gros usines, faut que le gouvernement ait des raisons, parce que nous ne pouvons pas arrêter pour anéantir nous, et faut que le central dit que les Parisiens, qui se passe exactement? Quand on a ça, c'est qui prend trois mobilisations, et nous pouvons répondre bel et bien toutes les campagnes, parce que cette fois-ci, tu dois répondre les campagnes. Il y a un journal qu'on a dit, quittez l'école ouverte, et pas parce que nous contre l'école, non,
nous te campé nous voyons c'est parce que il y a trop monde qui t'a quitté pays hein nous pas capable faire face toute cette situation et c'est normal nous nous gangou nous nous en misère automatiquement au bayo occasion pour quitter pays c'est là on va aller merci bien mais nous te bayo occasion ça et ben on y est hein peuple haïtien nous pas arrêter pour appeler anéanti nous tout nous obligé on le faut encore préparer nous pour lever camp payant et l'hôpital généralise de notre quatre payant c'est ça m'a planifié en 4 minutes en attendant nous arrivons 22 août pour mobilisation de pendant dans pays. Mes amis, attendez ça, ou c'est haïtien ou remet pays et bien on agit. Entre désespoir de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, M. Chanel parle là pour qu'à bien informer avec Yannick.